Voilà, je voudrais d'abord, comme vous l'avez si bien dit, remercier et féliciter tous les supporters qui sont venus de Saint-Louis-de-Mbourg, de Dakar, de Kolda, de Ziguinchor, un peu partout du Sénégal, pour assister à ce premier match qui est un match d'abord non seulement d'ouverture de ce stade, mais un match à enjeu important. C'est un derby, un classico, on l'aurait dit, parce que le Garaf, quand il remporte chaque fois le carré, c'est comme ça, c'est toujours difficile de parler d'autre. Mais bref, pour revenir à ce match, il faut dire que le Casasport a eu les meilleures occasions, vous l'avez dit. Plusieurs occasions, je ne parle pas des pénalties qui sont laissées à l'appréciation de l'arbitre, mais des occasions nettes qui n'ont pas été concrétisées. Le Garaf a eu une balle arrêtée, un corner, et ils ont été plus réalistes que nous. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas été militants. C'est vrai, on est très dessus, parce qu'on pensait célébrer cette première journée dans le stade Anistoué avec une victoire au moins. Mais vous voyez, c'est comme ça le sport aussi, il faut accepter. Il faut accepter aujourd'hui que la chance ne nous a pas souri, mais que les lendemains sont prometteurs, parce que nous avons une équipe dont l'espoir est permis. Hein, moi, je ne suis pas pessimiste, je sais qu'aujourd'hui dans le classement, nous descendons en profondeur, il faut relever la tête rapidement. Et dimanche, nous allons déjà dès demain à Dakar pour jouer contre la douane. Et je pense que nous allons nous remobiliser rapidement pour avoir le tonus et pour avoir un résultat positif.